Abdelmalek Saadi abrite le premier congrès international de réseau amené. Réseau de chercheurs appartenant à 14 universités de 11 pays, d'Europe et d'Afrique. Le réseau amené travaille sur un projet unique financé par l'Europe 2019-2021, traitant la question de l'intégration économique de l'Afrique, de la Méditerranée et de l'Europe de l'ère de la mondialisation. Comme vous le savez, donc, il y a cette journée, donc, l'ouverture du premier congrès donc, du réseau AMENED. C'est un réseau qui regroupe un grand nombre d'universités qui appartiennent à différents pays, des pays du nord de la Méditerranée, en particulier l'Espagne et la France, et énormément de pays de l'Afrique subsaharienne, en plus du Maroc. Donc il y a la Mauritanie, plus le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Il y a donc énormément de pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays donc, du nord de la Méditerranée. Et les porteurs de projets sont bien évidemment des enseignants-chercheurs de l'ENCG de Tétouan, de l'École nationale de commerce et de gestion de Tanger, et l'Université autonome de Madrid, qui sont les porteurs avec la coopération de l'Université de Jean Monnet, donc le programme Jean Monnet, donc français. Et c'est un projet qui est financé par l'Union européenne. Je suis très fier et très satisfait que ait été la ville de Tanger choisie pour la première réunion d'AMENED. La première réunion d'AMENED dont les objectifs et les buts sont très clairs, c'est-à-dire commencer avec un échange d'idées, de discussions et des apports et pour voir comment on pourrait intégrer l'Afrique et l'Europe et pour un développement total, intégral de l'être humain, de la personne, de l'homme et de la femme, et dans le monde d'aujourd'hui qui a beaucoup changé et qui requiert que la société civile ait une voix complémentaire et très utile pour ces efforts de paix et de développement intégral de la personne. AMENED, c'est l'acronyme d'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Notre objectif principal, c'est développer nos relations universitaires au niveau scientifique et pédagogique autour d'une thématique, c'est l'intégration économique, culturelle, scientifique, etc., entre l'Afrique subsaharienne, la Méditerranée et l'Europe. Je suis ici, disons, comme appui du lancement de ce congrès sur le réseau AMENED. C'est un projet d'excellence Jean Monnet, financé par l'Union européenne. Et l'objectif de ce réseau et de ce congrès aujourd'hui, c'est de voir de potentier l'intégration régionale de l'Europe avec l'Afrique. Le réseau Jean Monnet AMENED est un réseau très important, dirigé de Madrid. Et c'est un réseau qui se concentre sur l'Afrique de l'Ouest et les questions d'intégration africaine, mais qui couvre également géographiquement, disons, la région méditerranéenne. Le but est d'accroître les relations entre l'Europe et l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne. Le Maroc est en position idéale géographiquement pour agir comme pont entre l'Europe et l'Afrique. Le développement de l'Afrique est absolument crucial pour le futur, je dirais, de la planète et certainement de l'Europe, parce que tout ce qui se passe en Afrique, que ce soit positif ou négatif, ne peut avoir des répercussions qu'en Europe en premier lieu. La table ronde de cet après-midi avait comme sujet principal le rôle des entrepreneurs et des entreprises dans l'intégration économique de l'Afrique.
Alors, l'objectif fondamental était de savoir comment ces entrepreneurs vont-ils intégrer l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, essentiellement la partie sud de l'Afrique, pas la partie nord, parce que c'est là où il y a des perspectives de développement qui sont très importantes. Et nous avons évoqué grosso modo quels sont les atouts, quelles sont les potentialités de l'Afrique aujourd'hui, mais également quelles sont les contraintes qui concernent ce continent que nous avons qualifié d'un continent émergent.